monde, bienvenue dans Level One. Bonjour mon Alex, ça va? Bonjour monsieur Marcus. Il a dit je vais venir, il me pourrit mes news, Alors moi je suis pourri sur Level One. C'était voilà. Ça ton idée? C'était ça, ouais. Ouais, mais t'es gentil. Tu as vu, je suis venu, je suis pas rasé, je suis mais... plus gore que Conker. Ça va bien avec le jeu? Le jeu c'est Conker's Bad Fur Day, souvenez-vous, Marcus Tic, Alex et Tac, ça nous va bien. Conker's Bad Fur Day, donc un super jeu sur... J'ai du mal. Ah, t'as moque, toi. T'as raison, mange-toi. C'est un jeu génial à jouer tout seul, mais c'est aussi super à jouer entre amis. Voilà, mon ami. On peut jouer jusqu'à 4. J'ai plus d'amis que ça, mais pour ne pas me vanter, je n'en ai amené qu'un. Et donc, moi, j'ai fait le niveau tout seul. Je vous ai fait un level 1 où j'étais tout seul, mais je me suis dit, il va falloir refaire un level 1 en montrant tous ces petits jeux. C'est bien en solo, hein, déjà. C'est bien en solo, super, c'est bien. Génial, c'est super c'est drôle. Gore, hein. Par contre, faites gaffe parce que... Ils avaient dit que ce serait un peu allumé comme jeu, effectivement, ça c'est complètement barré. C'est super sanglant. Alors moi j'appuie là donc. Voilà, donc on va faire un des modes de. Quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Raptor, le truc avec les dinosaures. Et les œufs là. Et les œufs. Alors regardez bien, Alex va être le raptor et je vais faire les dinosaures. Bon, j'ai une bonne tête. Alors regardez, ça c'est des hommes préhistoriques et il faut qu'ils se nourrissent de raptors. Alors le problème c'est qu'il faut les choper. Ça c'est donc Marcus qu'on reconnaît bien. Voilà. Avec ses chicots proéminents. Et donc moi il va falloir que j'aille chercher ces œufs là, donc ça va pas être facile. Et moi je suis le raptor. Voilà, et donc moi je suis armé, je peux utiliser des armes et tout ça, mais ils sont pas très balèzes, alors que lui en dessous de mâchoire il peut me bouffer. Tranquille. Et il court plus vite que moi. Tranquille. Donc ça va pas être facile, j'aurais dû mettre plus d'hommes préhistoriques en fait avec moi. Ouais. Allez, mais c'est pas grave, l'intro. Je vais te manger tranquille. Bon, alors moi je suis le raptor en bas, oh là j'ai une belle tête quand même. Donc écran du bas c'est Alex, et moi écran du haut je suis avec cette... Cette impression de puissance que j'ai quand je me fais sonner là. Le bruit est génial, on écoute un peu les cris. Donne des coups de queue, tu vas voir, ça fait peur, hein. Alors, quand j'avance, je vais faire un plongeon vers l'avant. Ça, c'est mon bébé. Il est beau. Donc, et tu peux me nourrir. Là-bas, j'ai mes œufs. Si tu arrives à me choper, à me manger, tu peux me donner à manger tiens, au regarde. Bébé. T'es là? Oui. Ah, la vache. Tiens. J'ai réussi à sauter. Je suis pas encore tout à fait mort. Mais ça ne saurait tarder. Vache. Ah non, il est passé. J'étais à deux doigts des œufs. Il est où? T'es presque arrivé à l'œuf. Ah bah je suis mort. T'es mort? Ah bah tu vas manger. Moi je croyais que t'étais passé, j'ai eu peur. Non, c'est bon, je suis pas passé. Le problème c'est qu'il va tellement pas vite quand il a un œuf sur le dos, à mon avis j'y arriverai jamais. Donc imaginez, on peut jouer à 4 à ça, donc on peut mettre 2 raptors, 2 hommes préhistoriques, ou alors 3 raptors et... Amène-toi un peu. J'arrive. Tiens. Le problème c'est que j'ai pas chopé d'armes très balèzes là pour le moment. Oh, j'ai tu juste rien ce faire truc. Avec ton petit bout de bois là. Oh t'es là, il m'arrive dessus. Attends, oh là, j'ai fait un mal de chien à contrôler le bazar. Là où t'es là? C'est l'avantage, c'est que normalement, tu vas arriver sur le côté. Un petit là. Plus vite que toi normalement. Oh t'es là! Oh non, il est passé! Oh non! Donc voilà, j'ai chopé un œuf et j'essaie de me barrer avec. Mais si. Ça va pas être facile. Oh la vache. Il court vraiment pas vite, c'est impossible. Mais moi le raptor il est incontrôlable aussi. Tiens, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec l'œuf là? Viens donc ici. Évidemment j'ai plus d'armes en plus, donc je suis vraiment désavantagé. Essaye de zigzaguer pour pas qu'il me chope. Ah là là, il s'est sauvé. C'est pas facile. Hop. Donc l'astuce c'est de zigzaguer tout le temps parce que quand Alex donne des coups. Ah là, non. Je crois qu'elle est morte. Fais-moi le malin là, où t'es? Ça y est, t'es mort. Tu vas remanger un bout. Donc voilà. Et alors moi le but du jeu ce serait que j'amène. Du coup là je suis embêté parce que j'ai laissé mon bébé tout seul. Et vu qu'il est plus rapide que moi, tu vas te grouiller pour arriver vers lui et je serai pas là pour le défendre. Alors je suis complètement perdu dans le niveau. Moi j'ai cette poêle géante là qui va me permettre de faire cuire les œufs si j'arrive à en choper. Hein. Ouais mais il faut déjà que tu les chopes. Hein. Voilà, mais c'est pas gagné. Et je suis perdu. Voilà, profitons-en. Je suis complètement paumé dans la perdu, donc je récupère non, c'est bon, je vais retrouver. Ah merde. Attends. Ouais t'es là. Oh bah tiens, avant que tu y ailles, je vais te couper quand même. Récupère ce que tu veux, mais moi c'est moi qui te chasse finalement. Donc c'est la grosse trouille quand on a un raptor aux fesses. Là je sens qu'il est derrière moi dans les couloirs, c'est horrible. Je vais t'attraper, tu vas voir. Je trace comme un malade. Mais ça suffira peut-être pas. Je sais que t'es là. Je te sens. L'odeur caractéristique du Marcus. Tu es là. Qui n'est pas l'ennemi, qui n'est pas très ami avec les douches. Et alors? Tiens, je tiens. Trop de fouet, j'ai été déflorée. Oh c'est gore, il y a du sang qui coule de sa bouche, c'est dégueulasse. Ah, bon, on viendra après, on va arrêter la partie là, on va essayer d'autres trucs, parce qu'il y a tellement de trucs à arrêter. Toi, moi, tu t'es quand même fait fumer là sur ce coup-là. Je suis d'accord, mais si tu veux que je prenne des... On inverse ça quand tu me pourris les news, ça fait pareil. Il n'y a pas de gerbe de sang, mais c'est du même niveau. C'est du même niveau, c'est vrai. Alors le raptor, c'est fait. Alors Haste, nous allons faire Haste. Tu t'es tué trois fois. Ce coup-ci, on va jouer un hold-up, donc ça ressemble un peu à du GoldenEye. Nous sommes tous les deux en rouge et en bleu, ouais. Et on va jouer contre l'ordinateur. On peut faire ça en team player, à priori. Oui, oui. Alors regarde, c'est une parodie de Reservoir Dogs. Il explique comment ils vont faire le hold-up. Avec des gros mots bipés, comme dans tout le jeu. Forcément, dans tout le jeu. Et il leur a donné des couleurs.
comme Mr. Blue, Mr. Blue, Mr. Red, Pink. Mr. Yellow. Le jeu est vraiment bourré de références à chaque fois. Il y a aussi Alien, t'es en solo, t'as joué un petit peu. On rencontre Alien, Orange Mécanique, il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Ah, c'est un jeu culte, hein. Déjà. Terminator aussi, il y a une séquence à la Terminator. C'est vraiment le jeu culte par excellence. Plein de références, plein d'humour, super scato, donc ça c'est sûr, ça va choquer certains. Un peu si vous avez plus de 16 ans, n'hésitez pas. Hein. Bon, je crois que même moins de 16 ans. Every man for himself. Voilà, bon allez, on va y aller directement. Bon, allez, on y va. But du jeu, s'introduire dans une banque, rafler le gros paquet de fric. Alors moi je suis bleu là. T'es en bas, donc moi je suis en rouge avec le petit maillot rayé rouge. Ou la caillasse. Et il faut aller chercher un gros sac de fric comme dans Picsou, les Raptous, tu sais, ils ont toujours. Alors moi j'ai une batte de baseball d'entrée là pour l'instant. Alors moi aussi, on a tous des battes de baseball normalement, mais voilà, là j'ai récupéré des couteaux par exemple. Alors dis-moi où t'es parce que j'ai pas envie de passer mon temps. Ouh là, y a un. Alors moi je suis rouge. Oh là là, il y a quelqu'un qui a déjà pris. Alors regardez, ça charcute pas mal. Il y a quelqu'un qui a pris l'argent, je ne sais pas lequel c'est. Ouais, moi je veux le bazooka moi. Oh ah, moi je te le dis tout de suite. Hein. Au moins, par contre, c'est clair. Par contre avec le bazooka il pèse une tonne. Mais. Et oui, il va pas vite, c'est ça qui est génial. Je t'ai vu partir par là mais c'est déjà. Ça y est, le fric est là, je crois que c'est le jaune qui est là. T'es rouge ou jaune? Je suis rouge. Attention. C'est le jaune qui a le fric. Voilà, c'est ça, c'est le jaune qui a le fric. Donc il faudrait arriver à là, je suis con. Tiens, un coup de bazooka. Ah, tu m'as eu avec. Ah, mais je me suis fait avoir aussi. Et oui, ce qui est génial, c'est que ça fait un peu comme dans Worms, les armes sont. Ça peut te faire des dégâts toi-même. Aussi, bah oui, il y a par exemple un lance-flamme, si tu tires sur le lance-flamme en avançant, tu te grilles tout seul. Ça t'arrivait souvent, ça, non? Moi, oui. Ça m'arrivait souvent. Tu veux faire mal avec ton lance-flamme et pas, tu te crames le poil du nez. Ah, bah oui, mais c'est bien connu, ça. Alors, où il est le pognon? Il y a plus de fric. Si, ah, bah c'est que quelqu'un l'a pris. Alors, regarde sur le radar. Attends. Celui qui clignote, c'est celui qui a le fric en général. Ah, c'est le vert. C'est le vert? Oui, ouais, c'est le vert. D'accord, donc il faut absolument qu'on chope le coin vert. Alors, moi je vais dans le coin vert, je suis pas bien loin, mais j'ai pas d'arme, j'ai ma batte de baseball moisie. Ça sert à rien, ça c'est nul. Alors, attention. Il faut l'empêcher absolument de récupérer. Oh, je le vois pas. Fric. Alors, il va revenir. Ça y est, moi je l'ai sur le radar. Oh, je l'ai! Tu l'as? Ah, il vient de me passer devant. T'as le fric ou pas? Non, j'ai pas le fric. Attends, je vais. Mais ça, c'est cling-cling, c'est ce qu'il a le pognon sur le dos. Oh là là. Donc, on peut faire. Excuse-moi. On peut faire des pactes. Évidemment, qui n'ont qu'un temps. Ça y est, j'ai l'argent. Bah oui, protège-moi, Alex, moi, protège-moi. Je protéger du tout, tu viens de m'allumer comme un vieux rat. C'est pas moi. Tu crois pas que je vais te laisser y aller tout seul non plus? Amène-toi. C'est toi qui as le fric encore? Non, je l'ai plus, j'ai plus. Qui c'est qui l'a? Je sais pas. Personne n'est allumé. Pour le moment, personne. Donc faut aller au centre de la banque. Donc j'y vais, j'y cours. Donc imaginez ça à 4, c'est vraiment le délire. Ah, c'est parce que... Déjà à 2, ça me marre bien. Ouais, attention, vraiment, c'est bien quoi. Dis donc, viens ici toi. mais où tu crois que tu vas? Je peux plus. Oh là, il y a un mec, il a pris le fric, dis donc. C'est lequel? C'est le jaune, je crois. Oh là là, j'arrive pas à l'aligner, j'ai pas assez de longueur avec ma batte de baseball. Elle est pourrie cette batte de baseball. On a des petits radars, vous avez vu au-dessus de nos têtes. C'était allumé. Et moi, hop, du coup, fourbe comme je suis, où est l'argent? Je sais pas. What is the money? Attends. Alors parfois, je sais pas, j'ai l'impression que l'argent est détruit et il revient au milieu, donc je vais attendre au milieu. Je crois qu'il faut aller au milieu là, ouais. Voilà l'argent. L'argent revient automatiquement au milieu quand quelqu'un le lâche, j'ai l'impression. Quand quelqu'un le détruit. Ah peut-être. T'es allé vers quel côté là? Ou alors faut peut-être le rattraper. T'es allé vers quel côté? Je vais aller vers le bleu. Je te vois. Puisque je suis bleu. Non, t'es pas bleu, t'es rouge. Donc j'ai l'argent, si tu peux me protéger s'il te plaît, qu'on marque au moins une fois un panier on va dire. Mais tu vas vers le jaune là, tu fais n'importe quoi. Mais j'essaie, oh là là, c'est toi le bleu. Bon alors viens avec moi. Oh non. Tu crois pas que je vais te le laisser l'argent non plus. Mais l'argent est revenu au milieu du coup. Et hop, c'est moi qui ai l'argent et moi je vais pas le laisser partir comme ça. Alors je m'arrache tout de suite. Oula, il y a le vert qui a voulu mettre un coup de batte. Ah ils sont Non, ça se passe. Non, tu m'auras pas. Alors essaye de le ramener dans ton camp. Bah qu'est-ce que tu crois que je fais? Oh, il est derrière. Donc toi, t'es bleu. Aïe. Viens ici. Aïe. Mais il m'a repiqué l'argent. Il l'a repris, je crois qu'il l'a. Non, il a laissé tomber. J'ai l'impression que t'as quelques secondes pour récupérer l'argent. Ah voilà l'argent, ça y est. Qu'est-ce qu'il a? C'est moi, mais il est en train de me shooter. Moi, j'en ai une deux à la fois, moi je suis comme ça, moi. C'est un peu confus. Plus personne n'a l'argent. Il a repris l'argent, le vert. Attends, pas pour longtemps, voilà, ça y est. Je l'ai assommé. Je l'ai raté. Oh, j'allume tant que je peux, moi. Ça y est. Qui a l'argent? Non, il s'est barré avec, regarde. Il s'en va. Oh, le bazooka, c'est efficace, ça. Oh, j'y vais au bazooka. Ça y est, je l'ai eu. Donc, et en plus, je vois le côté rouge, donc hop, je récupère l'argent. T'as rien récupéré du tout, vu que c'est moi qui l'ai. Attends, t'as rien récupéré du tout. Tu m'auras pas comme ça, cours-moi derrière. C'est tiens, hop, la fin de corps, hop, là, dans l'autre sens, je reviens. Ah, il y a le jeu aussi. Oh non. Ça y est. Oh, c'est pas à voir. Il est revenu au point de départ. Donc on peut jouer au nombre de points, on peut jouer au temps, il y a plein de phases différentes. On va passer à un autre jeu pour voir. Ouais, allez. Allez, c'est parti.
c'est intense. C'est bien. Hein. Ah, c'est écoute, épuisant, par à 4, c'est du grand délire. Ça, c'est déjà très, très bon, ça. C'est celui-là bien, est vraiment bien, celui-là. Ouais. Les œufs aussi, mais il faut que ce soit plus équilibré. Ça faut plus de monde, historique. Parce que voilà, c'est tout ce contre un, en fait. Voilà. Il y a le raptor, et puis trois potes contre toi. Ils sont un peu trop balèzes, les raptors. Il est pas évident, mais il est marrant. Mais celui-là, c'était vraiment génial. Alors, on va faire Total War. Donc là, c'est un peu du GoldenEye. Regardez les personnages. C'est pas... Moi, je prends... Oh, il est une belle tête de sadique. Les moustaches. Moi, donc, je prends le moi. Là, il s'agit de s'entretuer, tout simplement. Il faut se courir, là, tout bêtement. Alors, contrairement à GoldenEye ou Perfect Dark, on peut pas choisir l'arme. On peut prendre une arme et on a toujours l'arme qu'on vient de ramasser, quoi, en fait. C'est pas plus mal. Ouais, voilà. Ça simplifie un peu les choses. Donc, alors, là, par il faut exemple, trouver j'ai des armes. Trouver un couteau. J'ai entendu un bruit de couteau. Voilà. Il y a aussi une espèce de sabre. Tiens, je vais prendre le sabre plutôt. Alors, attention. Moi, j'ai rien du tout là pour l'instant. Bah, très bien. Si tu me tombes sur le paletot, tu vas te faire mal. Hein. Et là, t'es dans un abri nucléaire souterrain. Alors, il y a un truc génial, c'est une arme nucléaire. Il faut aller chercher la charge, la placer dans un bunker. Et à partir de là, les portes se referment. Oh, t'es là. C'était chaud. Mais là. À partir de là. Tu cours après, là. Oui, oui, je vais pas me gêner. T'as toujours rien? Si, t'as un petit flingue. Oh, le vache. Oh. Mais elle est où ta tête, Alex? Et après, tu dis que c'est pas un truc les gosses, toi. Enfin, tu dis que c'est pour les gamins. Je voulais pas faire ce level 1 le soir. Je me dis, allez, c'est pas méchant, c'est quand même que des écureuils. Ça. C'est juste un écureuil qui se fait trancher en deux, mais c'est pas grave. Alors maintenant, j'ai une arme. Donc, comment la dégaine cette arme? Alors, t'appuies avec le bouton vert. Mais il se passe rien avec pour le bouton. Ah, j'ai pris des munitions, mais j'ai pas d'arme, c'est super. Si, si, normalement, c'est bon. Mais écoute, ah, mais non. T'as peut-être pas d'arme, donc. Oh, te voilà. Comment ça me voilà? Non, rien, oh là, je t'ai vu. Je m'arrache. Alors, vous avez vu qu'il y a des radars, ils sont à très courte portée. Alors, c'est pas très facile quand les mecs sont loin pour les retrouver. Mais quand on commence à connaître les niveaux, on arrive à repérer visuellement où sont les autres. Niveaux, voilà. Et je commence à connaître. Ah, j'ai une arme, ça y est. Alors, ça va faire mal, là. Tronçonneuse. Oh, la tronçonneuse. Alors, ça, c'est bon, ça. On va voir qui charcute l'autre en premier. Ah, c'est toi, joli. T'es charcuté. Ah, puis il est déchiré. Ça, c'est pour les news de vendredi dernier, ça. Revenge. Bon allez, amène-toi. Attends, t'es dehors, bah reste dehors. Ouais, je reste dehors, bah tiens, moi je vais pas courir, moi. Voilà, moi j'ai beaucoup de chatons. Je récupère juste un flingue ou deux. Tiens, encore une tronçonneuse, je peux en avoir deux dans les mains, non? Voilà, j'ai deux flingues, regarde bien, j'ai deux flingues à la main. T'as deux flingues à la main? Ouais. Bon, je vais peut-être courir un peu quand même, alors. Je vais peut-être me sauver quand même. Bonne idée. Il y a aussi des mitrailleuses, des nids mitrailleuses qu'il faut récupérer. Faire le malin parce que moi j'ai un bazooka. Oh là là. Alors regarde, avec le bazooka, tu peux viser. D'ailleurs, avec toutes les armes pratiquement, sauf les armes. Ah ouais, d'accord. On peut viser et on peut même zoomer souvent. Là, pour le coup, donc, je t'anime. C'est pratique, je sais pas où t'es. T'es mitrailleuse. Là, t'es plus haut que moi. C'est un truc super, ça. C'est que sur le radar... Oh la vache. Sur le radar, on peut voir si quelqu'un est à la même hauteur que vous ou pas. Là, tu es pas à la même hauteur. Et là, je ne te vois pas. Parce que je suis à tes pieds, en fait. Regarde. Tu es comment ça, à mes pieds? Moi, je descends, moi. Hein. Moi, je suis comme ça. Vas-y, saute du pont. Tu es un homme. Ah oui, le là avec son bazooka. Boum. Efficace. En pleine trogne, je te l'ai mis. Ah, il est bien celui-là. Ah, c'est bien. Il mais est chouette aussi. Bon, c'est du deathmatch classique, hein, c'est marrant. Ça, c'est pour ça que j'ai fait deux level 1, c'est parce que vraiment, il y avait de quoi faire. Ouais, le multijoueur est vraiment fabuleux. Hein. Voilà. C'est comme GoldenEye ou Perfect Dark. C'est un autre jeu dans le jeu, en fait. Voilà. Donc, alors le problème, c'est qu'il vaut 600 balles ce jeu. C'est hors de prix, on n'a jamais vu ça. 600 balles, ouais. Bah, ouais. Ou rarement, en tout cas. Bah, c'est le prix de l'excellence, on va dire. C'est le testament de la 64. C'est vrai, c'est le bouquet final, c'est vrai qu'il n'y aura sûrement plus beaucoup de jeux maintenant sur Nintendo 64 et sûrement pas d'aussi bien que celui-là. Il doit être dans ce bazooka parce qu'il a un mal de chien. Alors toi, je te vois qui arrive là-bas. Ah merde, alors attends, moi normalement j'ai un fusil de sniper. Ouais, mais le temps que tu le dégaines, je te dis. Oh, tu sais. Ça commence à venir. Tu m'as vu venir, c'est ça? Ah ouais, bah je te vois de loin là, moi. Oh là là, t'as du mal à marcher avec ton petit bazooka. Mais il doit être un petit peu lourd, mais je vais accélérer un peu le mouvement. Tac, 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 tac. Ça aussi, c'est une idée rigolote, c'est qu'il faut ranger les flingues pour arriver à... Ouais, à accélérer, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mode, là? Alors, tu veux dire d'autres modes de jeu? Oh, ouais, il y a un mode course, on va aller voir. Allez, on fait le mode course. Allez, c'est parti. Parce que là, quand même, je t'ai mis combien? Ah, j'ai pas regardé. Au moins 2-3. Oui, 3. On finira, a fait 3 hein, pour l'instant. On finira le level 1 par un vrai duel. Là, on voulait vous faire voir un peu tout ce qu'il y avait, et Dieu sait s'il y en a, je crois qu'il y a 7 jeux différents. Ah, War, ça c'est pas mal. Ah, on fait la course tout à l'heure? Non, alors attends, c'est Tank, faut qu'on aille faire Tank. Oh là là, et on a plus beaucoup de temps. On a 3 minutes, dis donc, alors vite fait le Tank. Alors vas-y, voir. Vite fait. Allez, le Tank, qu'on explique bien comment ça marche. Alors, le Tank, j'ai pas bien saisi, je t'avoue, mais je vais quand même te moisir. Donc l'idée, c'est que c'est une bagarre de Tank, comme quand on était petit, tu sais, sur les vieux écrans des vieilles consoles de jeu. Alors, oh la vache, c'est parti, tu me regardes, tu me parles, et en fait, tu t'en vas. On peut tirer sur l'adversaire, évidemment, on peut déplacer la tourelle pour tirer dans une autre direction. Je sais ce qu'il faut chercher, mais je sais pas où faut le mettre. Et il faut aller chercher, justement... Bouge pas, reste là. Il faut aller chercher ce que je vais chercher là, cette espèce d'arme nucléaire, voilà. Là, elle est à l'arrière de mon tank. Moi, je suis tombé comme une vieille crotte, comme on dit.
Faut rester poli. Donc regardez bien, je vais aller dans mon camp, c'est-à-dire le camp des rouges, dans mon bunker. Et t'es où là? Ah bah je te dis pas. Donc je vais dans mon bunker et ça va déclencher une alarme nucléaire. Oh là là, je vais complètement... On entend l'alarme. J'étais complètement perdu de vue là. Donc Alex, t'as 5 secondes pour trouver un abri nucléaire. Ouais bah t'es prêt toi. 5 secondes. Donc regardez bien, les portes se referment. Mais il avance pas trop. Et Alex va griller. Oui d'accord, effectivement. Donc quand c'est comme ça, tous ceux qui sont dehors grillent. T'es juste un traître parce que j'étais pas prêt du tout. Donc voilà, maintenant que tu as pigé le principe, on va le refaire. Alors attends, faut que je chope le bis. Et sinon, bien sûr, on peut aussi se tirer dessus de manière, comment dire, classique. Ils montent presque partout. La tourelle, quoi. Alors voilà. Mais t'es déjà là-bas, toi? Ah bah oui, moi je fais vite, je perds pas de temps. Parce que c'est quand même le truc le plus efficace, là, l'espèce de truc nucléaire. Oh, joli tir, monsieur Alex. Alors regardez, Alex est derrière moi. Ouais, mais tu vas pas faire long feu, hein. Je peux tourner ma tourelle pour continuer à tirer sur Alex tout en avançant. Je vais prendre le bunker avec toi, sinon c'est foutu. Alors sinon c'est foutu. Tu peux, mais je vais essayer sinon, de te laisser rentrer. Non. Ah non, t'es enfermé avec moi dedans. C'est fini, les portes sont fermées. C'est fini, j'ai gagné. Ah, sauf que... Bah, je te... Ah, bah, je m'a gagné, je suis entré dans le bunker. J'ai gagné. Alors maintenant, demi-tour gauche, tout de suite on intervient. Tac, tac, voilà, c'est parti. Alors, où est ta bombe, là? Alors, elle est toujours au milieu, sur le petit pont du milieu, au milieu du terrain. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois qui traversait la guerre, pour la guerre nucléaire. Ouais, le petit pont de bois. Hop là, il a du mal à tourner le temps. Alors. Tu m'allumes là, j'ai le bazar. J'ai le bazar. Donc va dans ton bunker bleu maintenant pour essayer. Alors que ça va être chaud parce que t'avances plus rien quand t'as le truc sur le dos. Et oui, ça va moins vite. Récupérer des turbos, des espèces de. Où il est mon repère moi? Je sais pas, c'est le bleu. Bon attends Alexandre, on va arrêter là, de toute façon il y a encore un truc à faire voir. Oh dis donc, je t'appelle. Oui, il nous reste une minute. Je voudrais bien faire voir le dernier truc. Qui est une course tout simplement, genre Diddy Kong Racing. Donc vraiment ils ont fait des trucs très très différents, vous avez vu. Voilà, on va faire ça, race. Oui, comme ça, on aura vu à peu près tous les types de jeux. Alors, il y a deux courses, on a débloqué que deux? Non, mais il y en avait que deux au début. J'ai pas. Oh, les personnages sympas. Ah, bah, tu as pris n'importe quoi. Attends, ressors un peu. Oh là là. J'ai fait nimp. On va jouer avec l'ordinateur. J'ai fait super nimp. Donc, je sais plus si haut ou en bas. Je sais même plus comment on accélère, pour tout te dire. Ils sautent de partout, les mecs. Voilà, donc là, c'est une petite course façon Diddy Kong Racing. Je suis en haut, je suis en bas. Ah, il est déjà l'heure de se dire au revoir, je suis dégoûté. Je comprends rien du tout, ouais. T'es déjà mort, Marcus, de toute manière. Je sais pas comment, mais je suis. Marcus, il a sa réputation, 5 secondes de jeu, paf, clams. Déjà dans un mur. Du grand Marcus, hein. Donc en tout cas, voilà. Marcus. Bon, faut se dire au revoir, on est désolé. Moi, je suis le malin, mais je suis mort aussi. Merci d'être venu, Alex. Y a pas de quoi, c'est délirant. C'est vraiment moi, j'ai adoré le Raptor et les burglars, là, les voleurs. C'est super. Oh là là. Et c'est aussi bien à 2 que. Voilà, à 2, à 4 que tout seul. Donc vraiment très bien. C'est cher, c'est le seul problème. Voilà, allez, c'était Bad Fur Day, un level 1 de plus. Merci Alex d'être venu. Et t'as encore perdu. Non, je suis pas.